Mathilde dépose sur une balance son sac de trekking rempli de son matériel. La balance affiche 10 kilogrammes. Mathilde vide alors le sac et le remet sur la balance. Elle découvre que son sac vide représente 8 kilogrammes de moins que le matériel qu'il contenait. Question, combien de kilos la balance affiche-t-elle pour le sac vide? Appelons X le poids du sac en kilogrammes et Y le poids du contenu en kilogrammes. Alors, nous savons par cette donnée-là que X plus Y est égal à 10 et par cette donnée-là, nous savons que X est égal à Y moins 8. Et de cette égalité-là, nous déduisons que Y est égal à X plus 8. Donc là, nous pouvons remplacer le Y par X plus 8, ce qui nous mène vers cette équation en X. X plus X, ça fait 2X. Des deux côtés, on retire 8, et c'est ainsi que nous trouvons que 2X est égal à 2, et en divisant cette équation par 2, nous obtenons que X est égal à 1. Par conséquent, c'est le B, la bonne réponse. Lors du tutoriel suivant, nous allons répondre à une autre question de l'Olympiade mathématique.